Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit glitch d'XP en illimité sur Fortnite. Alors tout d'abord, il faudra aller dans le mode créatif. Donc vous choisissez le mode créatif, boum, vous lancez. Ensuite, quand vous êtes sur l'île, vous allez près d'une petite machine pour noter le code de l'île que je vais vous montrer. Hop. Donc le code de l'île, c'est 8, 3, 1, 3, 1, 2, 7, 4, 4, 7, 0, 2. Donc le code, je le mettrai en description, en commentaire épinglé bien entendu. Ensuite, vous faites carré pour accepter et là, vous attendez le chargement de l'île. Quand c'est chargé, vous rentrez dans l'île et là, vous allez lancer la partie en appuyant sur carré ou en appuyant sur option émettre et appuyer sur lancer le jeu. Donc quand le jeu va être lancé, je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Alors il faut savoir, très important, il faut savoir que chaque compte sera différent. Je ne sais pas pourquoi, si c'est par rapport au niveau, si c'est par rapport aléatoirement, je ne sais pas du tout. Mais regardez, là, je viens de débloquer 723 XP, mais bon, ça, c'est pas vraiment le truc. Regardez, là, je vais par exemple tirer sur tracking. Avec mon AR, je tire sur tracking. Boum, je touche 104 XP. C'est possible que vous gagnez 200 XP. La personne que j'ai vue qui avait fait cette vidéo, lui, il touchait carrément 950 XP, voire 1000 XP à chaque fois qu'il tirait sur AR. Enfin, non, tracking. Donc, quand vous êtes ici, vous prenez la petite télécommande et vous appuyez sur R1 pour vous replacer ici. Et là, regardez, je retire dans tracking et là, je vais regagner 104 XP. Et je fais ça en illimité. Donc, imaginez si vous avez 900 XP à chaque fois que vous tirez, là, vous pouvez gagner maximum d'XP. Moi, pour le coup, c'est pas très rentable parce que je gagne que 104 par 104, donc c'est pas super rentable. Et si vous essayez et que vous avez 1000 d'XP à chaque fois que vous tirez une balle dans tracking, voire même plus, je sais pas si c'est combien le maximum, là vous serez refait quoi. Alors c'est pas tout parce que chaque rectangle que vous allez tirer va vous donner des XP. Là je tire dans flic, ça me donne 83 XP, c'est pas très rentable. Flic 2, ça me donne 46 XP, c'est encore moins rentable. Si je tire sur 180, ça me donne 59 XP, c'est pas rentable. Si je tire sur réaction, time, flick shot, là ça me donne 179 XP. Donc là déjà, c'est déjà beaucoup plus rentable si je tire dans réaction que si je tire dans tracking. Là, si je tire dans edit et shoot, ça me donne 167. Donc testez de tirer dans tous les rectangles pour voir lequel des rectangles vous donne de plus d'XP. Là, je vais tirer dans tracking, ça me donne 73. C'est pas énorme. Donc moi, le mieux, c'est que je tire sur réaction et je fais ça en illimité. Donc toutes les 3 à 5 secondes, vous gagnez 180 XP. Donc, ça peut être pas mal. Bon, après, regardez, là, j'ai touché 188. J'ai gagné plus d'XP encore. Donc bien entendu, vous, ça se tombe, vous toucherez, 500 XP, 400 XP. Ça dépend le compte. Je sais pas quel facteur joue sur nos comptes, mais en tous les cas, tout le monde n'aura pas la même chose. Alors il faut savoir aussi que si maintenant vous faites réapparaître. Voilà, vous faites réapparaître en illimité, vous allez gagner aussi des XP en illimité. Alors là, je vais gagner peut-être 250. Non, je touche 310 XP. Ça prend un peu plus de temps. Ça prend quoi? Ça prend 10 secondes, ouais, 10 secondes. Et là, je vais toucher 300 XP en illimité à chaque fois que je vais réapparaître. 311 XP, 300 XP, etc., etc. Après, si vous avez un Cronus Max ou un script qui vous permette de réapparaître en illimité, là, vous aurez juste à brancher votre script. Et là, ça fera des XP en illimité sans que vous ayez rien à faire si bien sûr vous avez un logiciel ou une clé Cronus Max Pro, etc. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuloMec et ciao. Peace. Dumb, 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 dumb